Oui pote, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, une petite présentation, une bande annonce d'un jeu vidéo là qui va sortir en 2019, il s'appelle Génération Zéro. Franchement, moi je le sens bien celui-là, je sais pas ce que t'en penses cochon. Bah moi je pense que ça me fait penser un peu à une série. Black Mirror les potes, ça vous dit rien, un épisode où il y a des robots comme ça, des petits robots chiens et tout, bah, vous allez voir les images, franchement moi ça me fait penser un peu à ça quoi. Oui. C'est pas fou ce que tu dis, c'est pas fou, c'est peut-être un petit peu inspiré de la série. Mais bon, là, franchement, ça a l'air plutôt cool. Ça a l'air un peu comme dans la série, comme tu dis, hein, les robots, ils ont pris un peu le dessus sur les humains et tout. On sait pas trop encore comment ça va se passer et tout. Mais bon, on sait que c'est un open world, bon, c'est en Suède. Bon, bah voilà quoi. Ouais, c'est vrai que là, franchement, on va pouvoir créer son personnage et tout, franchement, la classe. Aller chercher des armes, apparemment, on aura une bande de potes avec nous. Bon, bah, ça a l'air cool, hein, c'est l'hiver et tout, va falloir survivre, certainement, c'est un peu la mode en ce moment dans les jeux et tout. Survivre, trouver de la bouffe et tout, crafter des bordels et tout, franchement, on se met bien. Trouver des sacs à dos pour pouvoir transporter plus de trucs et tout. Et nous, ce qu'on se pose comme question avec Georges, c'est est-ce que c'est juste la Suède qui où c'est un monde abandonné, qu'il n'y a plus personne et tout, et que les robots ils sont pris dessus, ou c'est tout le monde entier? Donc on se dit peut-être que bon, la fin du jeu, c'est de réussir à se barrer de la Suède et tout, on sait pas trop. Oui, on sait pas trop. Après, c'est peut-être reprendre le contrôle, peut-être que les humains ils vont reprendre le contrôle de la situation et tout. Ben voilà, vous trouvez un moyen quoi. Là, regardez les phases de gameplay et tout, franchement, on va se mettre bien, il va falloir courir. Les robots, ils sont armés de mitraillettes et tout, ça a l'air chaud quoi, ça a l'air chaud. Puis ça change un peu pour une fois que ce soit des robots et tout. Mais franchement, regarde là. Les espèces de petits clébards, franchement, on dirait les petits chiens là, qu'il y a dans la série Black Mirror. Franchement, je sais plus quel épisode c'est, les potes. Mettez-le en commentaire si vous le souvenez, mais bon. Franchement, regardez, on cherche dans les coffres et tout. Là, il y a plein de trucs à récupérer. Regardez ça, ils volent et tout. Ça fait vraiment penser à la série. T'as raison, hein, petit cochon. Ça fait penser à la série. À mon avis, ils vont être vraiment durs à tuer, les robots, quoi. Ça va pas être. Ça va pas être une mince affaire, regardez ça, même la nuit. Même la nuit. Le Night Vision et tout, franchement, on se met bien. Bon, voilà, les potes, nous, c'est un petit jeu. Je pense qu'on va l'attendre. Hein. Franchement, on va l'attendre, on va certainement y jouer directement dès sa sortie. Parce que franchement, là, je le sens bien, quoi. Ah, moi aussi, je le sens bien, franchement. Regardez ça, la carte et tout. C'est de la filtration et tout, franchement, on se met bien. Bon les potes, voilà, on espère que ça vous a plu, ce genre de vidéo, on commente un peu, une bande-annonce et tout. Bon bah ça change un petit peu quoi, voilà. Allez, à plus, bye.